Un des avantages de l'outil de découverte est la création d'un compte personnel qui permet de sauvegarder ses recherches et ses notices bibliographiques. Pour se connecter au compte personnel, effectuez d'abord une recherche, puis connectez-vous à votre compte grâce au lien situé en haut à droite de la page de résultats. Une fois connecté, vous accédez à vos dossiers en cliquant sur « Dossiers » en haut à droite de la page de résultats. Sur la colonne de gauche, vous pouvez voir le ou les dossiers où les recherches et les notices sont sauvegardées. Il est possible de se créer des dossiers personnels afin de regrouper vos notices bibliographiques et articles selon vos thématiques de recherche. Il est également possible de partager vos dossiers avec d'autres utilisateurs. Pour ajouter des notices à vos dossiers, retournez à la page des résultats de votre recherche grâce à l'onglet Retour. Sélectionnez là où les notices à sauvegarder, puis ajoutez celles-ci au dossier. Il est également possible d'ajouter une ou plusieurs notices à un dossier depuis la page de résultats en cliquant sur l'icône « Dossier de la notice ». Elles apparaîtront ensuite dans vos dossiers. Autre possibilité avec le compte personnel, la possibilité de sauvegarder une recherche en cliquant sur « Historique de recherche ». Pour sélectionner là où les recherches à conserver, cliquez sur l'onglet « Sauvegarder les recherches ». Nommez votre recherche « Sauvegarder » et choisissez la durée de sa sauvegarde. Ces recherches sauvegardées apparaissent dans la colonne de gauche de votre compte personnel, onglet « Recherches sauvegardées ». Par ailleurs, si vous souhaitez recevoir une alerte sur les nouvelles publications et les nouvelles notices du catalogue, vous avez la possibilité de créer une alerte. Pour cela, cliquez sur « Créer une alerte ». Renseignez une adresse mail pour leur réception et fixez la fréquence à laquelle vous souhaitez être informé de la parution des articles. Les alertes peuvent être ensuite gérées depuis vos dossiers. Enfin, l'utilisation d'un compte personnel permet de modifier paramètres et préférences, langue d'utilisation, affichage des résultats, etc.